Salut à notre Séraph! Salut à notre Séju, on espère que ça va bien. Le loup-garou, c'est de la stratégie, c'est de l'amusement, mais c'est aussi de l'humain, de la passion. De l'amour. De l'amour et des couples brisés. On a quelques anecdotes croustillantes à ce sujet. C'est vraiment terrible. En fait, le loup-garou, c'est un jeu où on va devoir mentir, manipuler, et ça rend le jeu très dangereux pour des couples qui voudraient y jouer. Et en fait, comme il y en a besoin de beaucoup de joueurs, bah, il y a souvent des couples qui se retrouvent à jouer au loup-garou, et parfois ça se passe mal. Il y a eu des pleurs, je te jure, il y a eu des pleurs. Et des engueulades, et des gens qui font la gueule, enfin bref, c'est vraiment le drama. On va voir ça tout de suite. Je ne te pensais pas comme ça. Cette première anecdote, c'est un couple qui a pris très très cher en une seule partie de loup-garou. Ils étaient en train de jouer au loup-garou et la demoiselle a complètement berné son chéri qui est complètement tombé des nues et s'est demandé mais waouh, elle ment tellement bien, je ne l'ai pas vu venir. Et en fait là tu réalises que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans tout ce qu'elle m'a dit parce qu'en fait je la croyais, c'était ma chérie, je la protégeais, je me serais sacrifiée pour elle et tout d'un coup bah je me rends compte qu'elle était loup-garou. Le sentiment de trahison peut peut-être parfois se mêler à vos démons et vous rendre complètement parano dans votre couple, donc faites très attention lorsque vous jouez avec votre chéri. Parce qu'il découvrira à quel point tu sais mentir. D'ailleurs, sans même parler de couple, il me semble qu'il y a des amis à toi qui ont déjà été surpris par ta capacité de mensonge. Ouais, il y a des soirs, j'arrive à mentir, c'est incroyable. Et les gens prennent vraiment ça comme une trahison. Ils me font « Quoi ? Mais Julie, mais c'est pas possible, mais je te faisais confiance, mais plus jamais je te ferai confiance, c'est fini !» Mais je mens une fois tous les mois, même pas, tu peux me faire confiance les prochaines fois, hein, y a pas trop de soucis. La survie limitée. En tant que MJ, je peux vous dire, dès que dans un couple, il y a une voyante, elle va forcément regarder l'autre. Et malheureusement, ça tombe parfois sur un loup-garou. Et là, en fait, la personne, elle est là, je suis voyante, j'ai vu mon chéri, c'est un loup-garou, mais je l'aime, je veux pas qu'il me retourne un, mais je l'ai vu, quoi. Et... Le jour se réveille, salut. Ça arrive tout le temps en fait, parce que parmi tous les joueurs, t'as les joueurs forts, t'as ton chéri et tu te dis mais en fait je l'aime trop et si, je veux pas qu'il me berne, donc je veux savoir si je peux lui faire confiance et comme ça on pourra avancer main dans la main et c'est là que c'est un loup-garou. Vous avez plus de chances d'avoir une voyante qui vous regarde parce que vous êtes en couple tout simplement et que vous jouez ensemble. Et d'un autre côté, si quelqu'un bluffe la voyante et qu'il ne dit pas au premier tour qu'il a regardé son chéri, vous pouvez ne pas avoir trop confiance en cette personne. Ouais, ça peut paraître suspect aussi. C'est vraiment un truc de fou. C'est toujours ça. Après, il y a un autre penchant aussi, c'est qu'il y en a, ils se disent mais en fait, j'ai pas besoin de regarder avec mon pouvoir de voyante mon chéri parce que je la connais tellement. C'est vrai. Je le connais tellement que je vais tout de suite savoir s'il ment. Et c'est vrai, il y a des couples, ils se connaissent tellement bien qu'ils arrivent vraiment à déceler tout de suite. Ah ben moi, c'est le problème que j'ai avec ma chérie. Hein. À chaque fois qu'on arrive dans une partie de loup-garou et qu'on joue ensemble, l'un comme l'autre, enfin plus celle que moi, mais ça, c'est ce qui est encore plus problématique pour moi. Hein. Mais on est capable de savoir quand l'autre est loup-garou et quand l'autre ne l'est pas. Ce qui rend les choses un peu cheaté quand on est dans le même camp et les choses un peu compliquées lorsqu'on n'est pas dans le même camp parce qu'on se connaît vraiment très bien. Parce que du coup, moi, sachant ça, quand je vois qu'elle meurt vite, c'est je me dis il doit être loup-garou, il avait trop peur d'elle oui, et voilà. Ça arrivait plein de fois en fait. Et en plus, quand les joueurs autour de la table sont au courant de ça, en effet, c'est très très compliqué. Parce que soit tu la tues pas et puis bah, elle te balance loup, ouais. Elle te crame, soit on comprend en fait, enfin, t'es fichu. Tes chances de survie sont donc limitées par sa présence. Bon, heureusement qu'on s'est rencontrés au loup-garou, elle et moi. On est immunisés contre la malédiction du loup-garou. La manipulation, la mort, l'engueulade. Alors, on a eu plusieurs cas d'embrouille en fin de partie de loup-garou, hein, ouais, entre couples. Ou même pendant, en fait. Hein, si j'ai le malheur de ne pas voter pour mon chéri lors de l'élection du maire, je vais en prendre plein la tête, hein, c'est sûr. Voilà, il y a des gens, c'est ça qui leur arrive. Ça devient compliqué, parfois, dans certains couples, d'éliminer sa chérie parce qu'elle est loup-garou, mais vous savez qu'elle est caractérielle. Donc, du coup, vous allez peut-être pas oser la tuer et si vous le faites, ben elle va vous péter un scandale juste après. Je connais même quelqu'un qui s'est mis à pleurer parce que son chéri l'avait manipulé pendant toute la partie et oh tout. Non, mais sérieux? Non, mais c'est vraiment les embrouilles, c'est vraiment catastrophique. Hein. Donc c'est-à-dire qu'en gros, le mec était loup-garou, il a manipulé sa chérie pendant les débats, elle s'est fait complètement berner et ça l'a choqué quoi. Ouais, choqué. T'as vraiment le sentiment de trahison de la personne que tu aimes. Du coup, ça bousille toute votre stratégie. Vous dites, ah mais je suis sûr qu'il est loup-garou parce que je le connais par cœur, mais si je le tue là maintenant, il y a 70% de chances qu'il
m'embrouille juste après la partie. Pour me sauver moi et RL, je vais mal jouer dans la partie. C'est pas que pour les couples, hein. Ça peut marcher aussi avec les potes. Par exemple, quand tu fais des parties, on fait souvent des parties avec Evil Squid. On évite de se tuer T1 l'un l'autre parce que sinon, c'est pas cool. Ou pas souvent, ça arrive des fois. Même si on se menace. Aïe, aïe, Graou. Graou. Toi aussi, j'évite de tuer tôt dans les parties qu'on fait en ligne. Ah oui? Bah ouais, parce que c'est Rafiju. Ouais. Et des fois, je perds à cause de ça parce que elle me tue. Donc voilà, les couples, les amitiés, le business, tout ça. Ouais, ça influe attention beaucoup, à vous. Ça influe beaucoup. La jalouse. Il y avait une fille, elle était hyper jalouse de toutes les filles qui tournaient autour de son copain, enfin qui tournaient en fait, qui était juste amie avec son copain. C'est plus lui qui tournait autour des filles, mais bon, voilà quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la partie, elle était loup-garou et elle forçait de ouf. En plus, je la voyais la nuit parce que j'étais morte du coup. Elle forçait de ouf pour tuer toutes les filles. Donc une nuit par une nuit, en fait, il y avait que des filles qui mouraient et elle était la dernière fille en vie du coup. Et il y avait les joueurs qui réfléchissaient, ah ouais, mais vu le comportement, je pense pas que ce soit elle. Alors du coup, je sais pas. Et au final, elle a gagné. Alors que pour moi c'était flagrant, j'étais en mode mais là, toutes les meufs qui sont tuées, elle était jalouse, mais c'était sûr en fait. Mais du coup, les parties suivantes, elle était cramée à tes yeux, du coup, si jamais il y a toutes les filles qui tuaient, qui mouraient une à une. Ah oui, c'est clair, mais après j'ai pas pu jouer beaucoup avec elle. Comme quoi, là c'est la vie réelle qui a influencé la partie, du coup. C'est vrai. Après, ça dépend, parce que si c'est important pour le mec par exemple que les parties de loup-garou se déroulent bien, il peut aussi lui en vouloir de jouer un peu pas la stratégie de la partie, mais plus une vengeance personnelle, quoi. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, elle insistait de ouf, les loups-garous, ils voulaient désigner des personnes, et elle insistait de ouf pour tuer des filles, en fait. Waouh. Et bah finalement, elle a gagné, donc tant mieux. Ça a pas desservi le camp des loups, qu'elle avait gagné. Bien sûr. Mais voilà. En conclusion, je pense qu'on peut dire que l'amour peut être dévastateur, et le loup-garou aussi, enfin, surtout quand c'est mélangé, en fait, finalement. Ouais, l'amour et le loup-garou, finalement, c'est un peu comme une recette de pain. Non, c'est comme une recette de tarte. Tu te trompes un peu dans un ingrédient, ça peut tout faire péter. Et tu n'aura pas de dessert. Ouais. Ouais. Mais d'un autre côté, si tu arrives très bien à jouer avec ton petit copain ou ta petite copine, bah c'est juste super en fait, profites-en. Mais bon, c'est la personne quand même qui risque de te connaître le mieux, alors fais attention. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour suivre les prochaines vidéos. On en fait quelques-unes de ce genre, un petit peu rigolotes de temps en temps. Sinon, c'est de la stratégie loup-garou. À bientôt et le village standard.